Tu vois, il y a quand même un sacré voile. Ah oui, il y a un sacré voile, mais... Fais tourner, quand même. Vas-y. Je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Tous en selle. Donc c'est un projet Notre École Feu Valeur Ensemble autour de la mobilité douce et autour de la pratique du vélo à la fois en termes de santé et aussi en termes de mobilité pour pouvoir accéder facilement notamment à Gien qui est simplement à 5 km de notre collège. L'idée était à la fois de nous engager en fait avec le collège autour de notre label éco-collège avec l'idée en fait d'essayer de répondre à certains objectifs de développement durable, en particulier l'idée de pouvoir facilement accéder à la ville de Gien, non plus par bus, mais par vélo. Alors dans le cadre de ce projet Tous en selle, nous avons décidé de créer un atelier de réparation de vélo. L'idée c'était de pouvoir répondre à un besoin, en fait nous avons une partie de nos élèves qui viennent à vélo, d'autres qui ont des vélos chez eux mais qui ne savent pas les réparer. C'était à peu près 1 sur 2 qui déclarait ne pas savoir réparer des vélos. Nous avons réussi à mettre en place un partenariat avec la déchetterie, pour récupérer régulièrement à peu près un vélo à deux vélos par semaine, des vélos qui sont jetés et qui nous permettent nous de récupérer des pièces et de pouvoir réparer d'autres vélos des enfants ou des professeurs éventuellement qui nous les laissent à réparer. Alors l'objectif de cet atelier de réparation, c'est aussi de montrer que la réparation de vélos n'est pas limitée aux garçons et je suis très content de pouvoir compter sur plusieurs filles qui viennent très régulièrement à l'atelier de réparation. On peut voir aussi l'idée de solidarité à travers cet atelier où les élèves qui connaissent un peu plus tout le travail de mécanique peuvent enseigner et accompagner ceux qui connaissent moins. Et finalement, ce tutorat qui se met en place assez naturellement est vraiment très positif. Alors le projet Tous en selle nous permet aussi d'envisager différentes pratiques du vélo. D'une part, travailler sur le savoir rouler, qui est en fait un savoir à développer sur le cycle 3. Donc on est en partenariat aussi avec les écoles de notre secteur de recrutement du collège. On envisage aussi d'accompagner les élèves dans la pratique du vélo en ville, qui est quand même une pratique bien différente de la pratique sur chemin en campagne. Et le fait de disposer aussi de cette flotte de vélos, ça nous permettra d'organiser des sorties avec l'association sportive et éventuellement d'envisager la pratique peut-être d'un cycle d'enseignement dans le cadre des cours de PS.